Amis sportifs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. C'est Amadou François Kouakou depuis le stade Mohamed V. Salutations particulières aux téléspectateurs ivoiriens et burkinabés qui vont suivre en direct cette grande finale. Vous voyez sur votre écran son Altesse Royale, le prince héritier Sidi Mohamed, et son Altesse Royale Boulé Rachid, qui salue l'équipe du Nigeria, finaliste donc de la 16e Coupe d'Afrique des Nations, et l'équipe du Cameroun, le Nigeria qui a battu en demi-finale l'Algérie 1 à 1 au temps réglementaire et 9 à 8 tirs au but. Et le Cameroun maintenant sous vos yeux, le Cameroun qui a battu en demi-finale l'équipe du pays hôte, le Maroc, par 1 but à 0. Nous allons d'ailleurs profiter de cette présentation pour vous présenter les deux équipes, alors qu'ici, l'équipe du Cameroun pose avec les princes Sidi Mohamed et Rachid Boulé en présence du ministre camerounais de la jeunesse et des sports, le docteur Fofé, et Keita Amadou, la composition de cette équipe du Cameroun. Dans les buts, Antoine Bell, 2, Tanabi Yik André, 4, Massing Benjamin, 6, Koundé Emmanuel, 8, Mbou Emile, 9, Milan Roger, 10, Mfédé Louis-Paul, 12, Makanaki Cyril, 14, Tatao Stéphane, 19, Olé Olé, 20, Mtamar Charles. Comme remplaçant, 16, Songo Jacques, 5, Ndip Hakem, 18, John Kemp, 17, Mateng Jean-Denis, 13, Ebouélé Deng Bertin. Comme ils l'ont fait avec l'équipe du Cameroun, les deux princes posent avec l'équipe du Nigeria, l'équipe du Nigeria qui se présente dans la composition suivante. Dans les buts, Peter Oufaye, 5, Sopoulou Yissa, 13, Omokaro Bryce, 4, Stephen Keshi, 15, Ekboebe Sende, 8, Samuel Okowaraji, 10, Henri Wosu, 12, Augustine Ekwavon, 18, Dubussy Okou Sieme, 14, Rachidi Yetkini, 17, Okenla Koulourenso. Comme remplaçant, numéro 22, Wilfred, 16, Andrew Your, 7, Humphrey Edobor, 6, Mike Odu et 2, Uch Okafor. C'est la répétition de la finale. Supporté. L'hymne du Cameroun à présent.